الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو 30 من شهر جمادى من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر يوليو لعام 21 و2000. كعادتنا في يوم السبت ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا عز وجل ومدارسته فيما بيننا، مستعينين بذلك أو على ذلك بالله سبحانه وتعالى، ثم بأقاويل أئمة أمتنا عليهم رحمة الله عز وجل الواسعة. وما زلنا بصدد الحديث عن سورة يوسف عليه السلام، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند الآية 41، ونواصل الكلام اليوم مع الآية التي تليها بإذن الله سبحانه وتعالى. متشفاب نونو غيونيسون كم شاك سامدي، نو سام دولا 30e journée du mois de Dhul Qa'da de l'an 1442, c'est-à-dire le 10 juillet 2021. Comme chaque samedi, nous ouvrons ensemble le Mus'haf, le Coran, afin d'y lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'étudier ensemble en recherchant, en demandant l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour y arriver, puis ensuite la parole des imams de notre communauté, qu'Allah les couvre de sa miséricorde. Nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique dans lequel l'histoire de Yusuf alayhi salam est contée, et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours à la lecture du 41e verset. Nous reprenons donc aujourd'hui avec le verset suivant. Wa huwa qawluhu subhanahu wa ta'ala وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Donc on se souvient que Yusuf عليه السلام, après avoir appelé ses codétenus à Allah subhanahu wa ta'ala et après les avoir informés du sens de leur rêve, il leur a dit قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بعدما قام يوسف عليه السلام بدعوة صاحبيه الفتيين إلى الله سبحانه وتعالى، وبعدما أخبرهما بمعنى رؤيتهما أخبرهما أن الأمر قد قضي وفرغ منه فلا سبيل ولا مفر منه. Donc il y a aucun moyen d'échapper à cette interprétation. C'est fini, c'est définitif. Puis Yusuf alayhi salam s'adresse à l'un des deux. Waqala, walqailu huwa Yusuf alayhi salam. Donc waqala, qui est celui qui parle, c'est toujours Yusuf alayhi salam. Donc jusqu'à présent, tous les verbes ont comme sujet Yusuf alayhi salam. Donc waqala, c'est-à-dire Yusuf alayhi salam, lilladhi dhanna annahu najim minhuma wa dhanna fi lisan arabi min al-afdad fataratan yurad bihi al-ilm aw al-ilm wal yaqin wa taratan yurid bihi mukhalafata al-ilm wal yaqin annahu qaruba min al-ilm wal yaqin lakin lam yablughuma. Vanna en arabe est un verbe qui figure parmi les opposés. C'est-à-dire que c'est un genre de verbe qui a deux sens qui s'opposent. Donc des fois le mot vanna signifie la science totale et la certitude absolue. Et d'autres fois le mot vanna, le verbe vanna signifie ne pas atteindre ce degré-là. Être, comment dirais-je, d'avis qu'une chose est de telle façon, sans pour autant avoir une certitude absolue à ce niveau-là. Dhanna. Et ne pas le traduire par doute. Non, le doute c'est le shak. Ce n'est pas ça qui est voulu ici. C'est quand on dirait nous, je pense que. Je ne suis pas sûr, mais je pense que. Je m'approche de cette certitude sans pour autant l'atteindre. Dhanna. En
bon français, c'est la conjecture. À ne pas confondre avec la conjoncture. C'est encore autre chose. Al-Muhim, donc ici, Vanna, Jumhur al-Mufassirin, ala anna Vanna bima'na alima wa aykana. La majorité des exégètes disent qu'il s'agit ici de Vanna dans le sens de certitude. Comme quand Allah tabaraka wa ta'ala dit Alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ceux qui sont certains et persuadés qu'ils rencontreront leur Seigneur et qu'ils retourneront vers lui. L'autre sens, dans le Kahf, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima. Et je ne pense pas que l'heure dernière aura lieu. Comment est-ce qu'on sait qu'ici Vanna, dans le sens de Bima'na, je pense que, et je suis donc et non, je suis sûr, le reste du verset. Wala irruditu ila Rabbi. Et si je reviens vers mon Seigneur, donc là il exprime vraiment l'éventualité. Donc une fois Vanna dans le sens de certitude, une fois Vanna dans le sens de je pense que. Ici, chez la majorité, dans le sens, la majorité donne le sens de c'est sûr. وذهب قتادة رحمه الله تعالى إلى المعنى الثاني وخالفه الجمهور وقالوا أن مثل ذلك لا يتأتى للأنبياء. قتادة رحمه الله تعالى ابن جبر السدوسي رحمه الله تعالى من السلف من أئمة التابعين. Lui il pensait qu'il s'agissait du second sens. Ce fameux dhan, cette fameuse conjecture, cette opinion qui n'atteint pas la certitude. Cependant, la majorité se sont opposés à cet avis-là en disant qu'il n'appartient pas au prophète de s'exprimer dans ce genre de choses sans avoir de certitude. Surtout que Yusuf alayhi salam les a entendus tous les deux raconter leurs rêves, il les connaît, il sait qu'il y a Saqi wal Khabaz, qu'il y a les chaussons et le cuisinier. Donc il les connaît, il sait de quel rêve correspond à quelle personne. Donc, هذا القول الثاني هو مرجوح. وقال أهل العلم أن يوسف لم يزل حريصا على إخفاء تعبير الرؤية الثانية حتى لا يتفطن الخباز أنه هالك، فأخبر الساقي بقوله هذا خفية. aussi vous vous souvenez avait dit que Yusuf عليه السلام fait tout ce qu'il peut pour cacher à la personne concernée, le fameux cuisinier, qu'il va être exécuté. Jusqu'à présent, chaque chose est dite de façon, indéfinie, pour que le principal concerné, jusqu'à la fin, ne sache pas que c'est lui qui va être exécuté. Donc quand il dit à l'autre, même si ce n'est pas cité dans le verset, c'est compris. Comme quoi il lui a dit discrètement, il a dû le prendre à part, et il lui a parlé discrètement de façon à ce que l'autre ne sache pas que c'est l'autre qui va être libéré et que lui il va être exécuté. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا. Donc il a dit à celui dont il était sûr qu'il allait être sauvé parmi les deux, اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكْ اُذْكُرْ قَضِيَّتِي ومظلمتي وحبسي في هذا السجن ظلما من غير جريمة ارتكبتها. Donc en gros il lui dit اذكرني, parle de moi, parle de mon histoire, parle de mon affaire, parle de l'injustice dont j'ai été victime, parle de cet emprisonnement que je subis depuis des années maintenant sans avoir commis le moindre cri. Uzkurni inda rabbik. Wa inda rabbika ay inda sayyidik. Inda rabbika dans le sens ici, auprès de ton maître. Wal malik. Il s'agit ici du roi. Du roi. Donc il lui dit, parle de moi au roi.
الاستشفاع وهو الذي فعله يوسف عليه السلام أمر جائز لا حرج فيه. الاستشفاع هو طلب الشفاعة. C'est le fait de demander l'intercession. Donc ici, Youssouf al-Islam, il passe par son co-détenu pour atteindre le roi afin qu'il entende parler de lui et ainsi qu'il sorte de prison. Al-Istishfa'a, demander al-Shafa'a. Il n'y a absolument aucun mal dans cela et c'est permis et toléré. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. وقال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. الآية الله عز وجل il nous informe que celui qui intercède une intercession positive bonne alors il aura une partie de la récompense. Et dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم intercédez vous serez récompensé. Et demandez à quelqu'un de parler de nous à une autre personne لجلب منفعة أو لدفع مضرة جائز لا حرج فيه مع أن ترك ذلك أولى. Et le fait de demander à quelqu'un donc de nous évoquer auprès d'une personne dans le but d'attirer un bien ou de repousser un mal est permis et toléré, il n'y a pas de mal dans cela, même si il est préférable d'éviter de le faire. Madame, للدلالة على كمال الاعتماد والتوكل على الله بحيث لا يتخذ المؤمن أحدا يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. Pourquoi est-ce qu'il est préférable d'éviter de faire cela? C'est parce que كمال الإيمان, la foi complète, implique à ce qu'on ne mette personne entre soi et Allah سبحانه وتعالى. Ou personne entre soi et les gens. Donc moi, si j'ai besoin de quelque chose, je demande à Allah. Je ne demande à personne d'autre. Wa qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam li ibn ammihi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Al-hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à son cousin Abdullah ibn Abbas alors qu'il était encore qu'un jeune garçon: lorsque tu demandes, demande à Allah. Et si tu cherches l'aide de quelqu'un, demande celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana as-sahabatu radiyallahu anhum yubayyi'una Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala an la yas'alu an-nas shay'an. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui prêtaient allégeance en s'engageant à ne jamais demander rien à personne. Mais tu as le droit de le faire. C'est parti de la perfection de la foi. Ibn Taymiyyah, il a été même plus loin encore que cela en disant qu'il était préférable de ne pas demander à autrui de faire du'a pour toi. C'est juste. Anta tatluba min akhika alladhi tawassamta fihi athar as-salah an yad'u Allah lak. Wa qad nuqila dhalika an كثير من أهل العلم من السلف والخلف. Tu as le droit de demander à ton frère ou à ta sœur, quelqu'un dans lequel tu vois les traces de la piété, d'invoquer Allah Ta'ala pour toi. Comme on fait tous. Du'a pour moi, fais du'a. C'est tout ça. Et les salafs, ils le faisaient. Il a été rapporté que les salafs le faisaient. Bon, pas tous, bien sûr, mais c'était des choses qui étaient connues à leur époque. Ibn Taymiyyah rahmoullah a dit: n'a pas le droit de le faire. Mais le mieux, c'est de ne pas le faire. Le mieux, c'est de ne pas le faire. Après, c'est comment on voit justement à quel point on s'en remet à Allah Azza wa Jal, à quel point on se confie entièrement à lui. Tout ça est relatif. Maintenant, vous allez me dire: mais attends, Youssouf al-Islam, c'est un prophète. Donc forcément, il va faire la meilleure des choses. Walidhalika, qala ba'du ahli al-'ilm annahu lam yakun li Youssouf أن يطلب من غير الله شيئا ولو سعى إلى دعاء الله عز وجل لأسرع في إخراجه وإخلاصه من السجن. C'est pour cela que certains savants ont dit
que cela faisait partie des quelques erreurs reprochées à Youssouf alayhi salam. Et on verra par la suite que d'autres choses vont lui être reprochées. Donc comme quoi ici, Youssouf alayhi salam n'aurait pas dû demander à son co-détenu de parler de lui au roi. Mais il aurait dû demander à Allah Ta'ala directement. Et s'il lui avait demandé, Allah Ta'ala l'aurait fait sortir de prison très rapidement. J'ai appris le hadith, الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث. يا حديث أتخبي القفاة صلى الله عليه وسلم إنها رسول قفاتيك ذلك كان يريدي كالله فاس ميزيريكورد يوسف سيس نتي سيد بارول كلا ديت il ne serait pas resté aussi longtemps en prison. Il ne serait pas resté aussi longtemps en prison. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى كلما تلا الآية وذكر هذا الحديث بكى وقال هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل ابن الخليل يعاتب في كلمة واحدة يعاقب لأجلها بلبث طويل في السجن سنين عددا ونحن كلما نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس. Donc le hadith, lorsque Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala le citait, il pleurait. Il disait, ça, c'est le noble, fils du noble, fils du noble, fils de l'ami intime d'Allah Azza wa Jalla. Youssouf, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim, alayhimu as-salatu wassalam. Auquel on reproche une parole dite, et pour laquelle il va devoir rester en prison plusieurs années consécutives. Et alors que nous, à chaque fois qu'on est touché par quelque chose, le premier réflexe qu'on a, c'est de s'empresser d'aller voir les gens. De s'empresser d'aller voir les gens. Souvenez-vous le hadith d'Ibn Abbas. Ida sa'alta, fas'alillah. Wa ida sta'anta, fas'ta'in billah. Et Allah Azza wa Jalla lui dit wasta'inu bis sabri was salah. Allez rechercher l'aide à travers l'endurance et la prière. Et nous, on dit tout le temps dans la prière Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. On a vu ensemble que le fait de mettre Iyaka avant le verbe, inversait l'ordre des parties de la phrase pour indiquer l'exclusivité. C'est comme si on disait La nasta'inu illa bik. C'est comme si on disait Nous ne recherchons l'aide de personne en dehors de la tienne. Ça, c'est fil kalam. Fil ma'na. Lakin fil waqi' l'amr yakhtalif. Ça, bien entendu, théoriquement, on est tous mashallah, des mouahidis, mashallah. Théoriquement, on est des mouahidis, il n'y a pas de problème. On connaît les définitions, on connaît les sens, on connaît les règles, on connaît tout. Lakin, réellement, concrètement, Allahu a'lamu bi tawhidina. Il n'y a qu'Allah qui sait ce que notre tawhid vaut. Et chacun d'entre nous, il sait à quoi je fais référence. Est-ce que toi, par exemple, quand tu arrives dans ma malheur, le premier réflexe que tu as, c'est de lever tes mains et d'implorer Allah Azza wa Jalla? Ou bien de t'appeler le médecin si ton enfant il s'est blessé, ou le mécanicien quand ta voiture est tombée en panne, ou d'appeler quelqu'un que tu connais quand tu n'as plus de travail pour qu'il te trouve un travail, ou bien d'aller voir l'imam quand tu veux te marier et que tu n'arrives pas à te marier, il a rien d'aide, ainsi de suite. Quand tu dis aux gens, faites du'a, faites du'a, j'ai fait du'a. Limite, il n'est pas content quand tu dis faites du'a. Par rapport à ça, c'était Ibn Abi Dunya rahimahullah ta'ala dans son livre Tawakkul, il rapporte une parole de Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala où dit kana at-tawakkul 'amalan fa asbaha 'ilma. Tawakkul, avant, c'était une action, quelque chose qu'on voyait chez les gens. Aujourd'hui, c'est devenu une science, c'est devenu des mots,
des règles, des définitions. Laquelle fait Abdullah car concrètement, réellement, il n'y a plus de traces. On ne le voit plus, il est devenu invisible. Ça, c'est le tawakkul. Bab bin Abwab al-Iman. Ça, c'est une partie de la foi. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu prends les livres de l'Aqidah, tu les étudies, tu vas prendre le mot tawhid, ma'nahu lughatan, masdar, wahada yuwahidu, ayja'alu shay'a wahidan. واصطلاحا التوحيد ينقسم افراد الله بالعباده وينقسم الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه الى اخره تسمعون هذا الكلام تعرفونه ça c'est des choses on les connaît ça fait des années on les répète des livres on les a étudiés plusieurs fois de suite on les a enseignés même des livres on les connaît par cœur il y a un chef je me rappelle justement on parlait de kitab tawhid il m'a dit tu l'as étudié j'ai dit oui tu l'as appris par cœur non, il m'a dit, yajib an tudraba ashra darabat. Il m'a dit, tu mérites 10 coups là. Il m'a dit, moi, ça dit là, tu l'as étudié? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu l'as pris? J'ai dit non. Il m'a dit, zid ala al-ashra al-oula, ashra ukhra. Même on les apprend par cœur, là, on les apprend par cœur, vas-y. Et après, comme il disait, c'était Aisha radiallahu anha, et certains attribuent ça à Abu Dharr. C'était Urwa qui était venu voir Aïcha radiallahu anha et lui posait plein de questions. Ya Umma, ma hukmu kada, ma qawlu kifi kada, plein de questions. Elle lui répond. Un jour, elle lui dit Hadhihi al-as'ilatu allati tas'aluni anha da'iman, hal ta'malu bihinna kullihin? Toutes ces questions que tu me poses à longueur de temps, est-ce que tu mets en pratique toutes les réponses que je te donne? Lui a répondu non. Alors, elle lui a dit La tukthir hujaj Allah alayk. Ne va pas multiplier les arguments d'Allah contre toi. Nous, on ne comprend pas ces choses-là. Al-Muhim, donc Yusuf A.S., certains savants, ils ont dit qu'ils n'auraient pas dû faire ça. Et c'est pour ça, justement, que la fin du verset, Allah Ta'ala, il dit quoi ? فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Là, il y a un grand khilaf chez les mufassirs. Grande divergence. فَأَنْسَاهُ أَنْسَا أَفْعَلَ مِنْ نَسِيَا أَيْ جَعَلَهُ يَنْسَا وَالشَّيْطَانُ مَعْرُوفُ وَلَيْتَهُ لَمْ يُعْرَفُ فالضمير في أنساه يعود إلى من؟ قال جمهور السلف قالوا الضمير يعود إلى يوسف أي فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه أي ذكر الله عز وجل حيث توجه إلى أحد المخلوقين. Là dans ce verset, et il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran où la divergence porte sur le pronom. À qui il revient? فأنساه أنسى, c'est une forme dérivée du verbe nasiya qui veut dire oublier. Et Ansa, Hamza Hadihi, on appelle Hamza tout Ta'diya. Donc on va transformer le verbe transitif en intransitif. Ou l'inverse. C'est-à-dire que le diable, lui, a fait oublier. Mais lui, à qui? Les deux avis ici, la majorité des salafs, disent que le pronom revient à Yusuf alayhi salam. Donc, le diable a fait oublier à Yusuf l'évocation de son Seigneur, Zikr Rabbihi ici, Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf, comment ça, Yusuf, il oublie son Seigneur, ou de l'évoquer? Non, c'est qu'à ce moment-là, au lieu que Yusuf ne demande à Allah ta'ala de le sortir de prison, il a demandé à la créature qui était son co-détenu et dont il avait la certitude qu'il allait sortir prochainement de prison. Et pour cela, eh bien Allah Ta'ala, il l'a fait rester en prison des années. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي. Et la vie, le second, c'est que الضمير يعود إلى الساقي. وَالرَّبُّ هُنَا هُوَ سَيِّدُهُ وَهُوَ الْمَلِكُ. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ أي فَأَنْسَى الشَّيْطَانُ السَّاقِي الْفَتَى ذكرى يوسف
عند ربه أي عند سيده وهو الملك. Et le second avis, c'est que le pronom فأنساه, il lui a fait oublier, le diable lui a fait oublier, c'est-à-dire il a fait oublier au jeune co-détenu, le serveur, il lui a fait oublier de parler de Youssouf à son maître qui n'est autre que le roi. وهذا القول وجيه جدا ويؤيده قوله تبارك وتعالى بعد الذي سنمر عليه لاحقا ان شاء الله تعالى وهو وذكر وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه وذكر بعد امه. Et cet avis-là, en apparence, paraît beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Confirme cela le verset qu'on va voir prochainement, où Allah Ta'ala nous informe que celui qui a été sauvé des deux a dit, après s'être rappelé, après qu'un certain temps soit passé, et après s'être rappelé. Waddakara, on en reparlera à ce moment-là, inshallah ta'ala. Pourquoi il a dit waddakara, il n'a pas dit waddakara. Iddakara, c'est quoi le wazn de iddakara? Pour ceux parmi vous qui sont saintes, je ne les ai pas laissés mijoter. Quand tu veux faire un bon ragoût, il faut laisser les légumes mijoter longtemps. C'est ifta'ala, là. Al-Muhim, iddakara. Donc ce verset-là, le verset qui va suivre prochainement, il indique bien que le deuxième, celui d'entre eux qui a été sauvé, il s'est rappelé. Et on se rappelle après avoir oublié. Vous allez me dire alors, mais pourquoi? Les salafs, ils étaient plus d'avis que c'était Youssouf qui était concerné. Parce qu'eux, ils ne se reposent pas seulement sur le caractère explicite du verset. Ce qu'on appelle « Zahirul Ayah » en arabe. Non. Quand ils lisent le verset, il y a plein d'autres éléments, plein d'autres paramètres qui prennent en compte, qui viennent tous se mettre dans leur esprit. C'est pour ça que plus tu as d'éléments en tête, plus ta compréhension elle sera droite et elle se rapproche de la vie le plus correct. C'est pour ça que celui qui se contente de lire le verset en surface, sans aller voir ce que les salafs ont compris du verset, comment ils l'ont expliqué, il risque de plus avoir tort qu'il n'a raison. Durant mon court séjour au Maroc dernièrement, je parlais avec quelqu'un de ma famille qui est instituteur. Il me disait, lui, que le Coran, il est clair. Pas besoin de tafsir. Tout le monde peut le comprendre. Ah, machallah. Si seulement c'était aussi simple. Je dis, mais Allah, il dit dans le Coran, والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. Dans le Coran, Allah nous dit dans le Coran, il y a des versets dont le sens est clair et d'autres qui sont équivoques. Et quand on parle d'équivoque, ça veut dire que ce n'est pas un sens clair pour tout le monde. Il voulait rien savoir. Il me dit non, tout le Coran est clair. Je dis d'accord. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je m'adresse à un arabophone qui est instituteur. Attention, accrochez-vous à vos chéchias. Il me dit, واضح, لا تقتلوا الصيد وأنتم على غير طهارة. Donc le verset, ô vous qui avez cru, ne tuez pas le gibier. وأنتم حرم. Je vous laisse en arabe comme ça. Je vous dirai en français après. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair. C'est simple. وأنتم حرم, c'est-à-dire quand vous n'avez pas les ablutions. Là, bon. Donc si je n'ai pas les ablutions, je n'ai pas le droit de les chasser. Je vous dis, قولك هذا لم يقل به أحد من الإنس والجن. Cette parole-là que tu viens de sortir, jamais personne chez les êtres humains et les djinns ne l'a dit. Jamais. Je dis alors. C'est-à-dire que plus tu vas plus tu vas loin et plus tu suis.
يجب أنتم حر أيضا وأنتم على حالة الإحرام. C'est l'ihram qui est visé, ce n'est pas les ablutions. Voilà, Mousseba. Mousseba, il n'y avait rien à faire. Et là, je me suis rappelé la parole de Shafi'i, rahimahullah ta'ala, ramène-moi 1000 fuqaha, aghlibouhou. Je les battrai. Ramène-moi un jahil, yaghlibouhou. Et ramène-moi un ignorant, il me battra. Sadaqa, rahimahullah ta'ala. Vous voyez, c'est pour ça, mes frères. Parenthèse rapide, parce que je sais que, mashallah, encore heureux, il y en a toujours, des jeunes, des hommes, des femmes, même des fois qui ne sont pas forcément jeunes, qui veulent étudier la langue arabe. C'est très bien, je vous encourage à le faire. C'est même nécessaire et obligatoire. Le problème, c'est que l'arabe que vous apprenez avec les livres contemporains, il ne va pas vous permettre de comprendre le Coran. De comprendre les paroles du prophète et des salafs, ne vous permettra pas. Tout à l'heure, je disais dans le Bidaya ou le Nihaya, je suis tombé sur un passage, je riais tout seul. Et on m'a dit à la maison, pourquoi tu ris? Je dis là, parce que là, je vais te lire un paragraphe, là, je suis sûr que tu ne vas pas comprendre un mot. On me dit, vas-y. Et fais là, je lui ai lu le passage, elle n'a pas compris un mot. Mais tu vas faire toi. Bon, j'allais dire des noms de livres, je ne vais pas les dire. Sinon, je vais encore me dire. Va faire quoi tous ces livres-là? Moi, je te le dis, fais 10 ans. Fais 10 ans. Tu ne pourras pas comprendre le Coran. Tu pourras aller à l'aéroport, demander où la salle d'embarquement. Tu pourras aller au marché, demander combien coûtent les courgettes. Tu pourras aller à l'école, demander où le prof d'anglais. Oui. Mais je te passe cette vidéo, tu ne comprendras rien. Tu ne comprendras rien. Et là, je te pose la question, mon frère. T'étudies l'arabe dans quel but? Dans le but de discuter avec les gens à l'aéroport et au marché? Ou dans le but de t'asseoir avec le Coran et la Sunna et de les comprendre? Tout dépend, quelle est ton intention? Cheikh Al-Azami, quand il faisait dans la Muqaddima de son char de la Jourmiya, il disait Dirasatul Nahw. Yalbari an yadrusa al-muslimu al-nahwa li umur. Minha an yastaqima lisanuhu. Wa minha. أن يكون قادرا على فهم الكتاب والسنة ولم يذكر الشيخ أن يكون الطالب أبلغ وأفصح الناس. Regardez autour à l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala de l'Ajurumiya, quand il dit qu'on étudie la grammaire pour plusieurs raisons parmi elles, l'istiqama tilisan. Quand tu parles, c'est correct. Et pour comprendre le Coran et la Sunna. Il n'a pas dit pour que tu sois le plus éloquent des gens. Pour que tu parles sans bégayer. T'as vu, nous aussi, on a cette impression, on croit que celui qui arrive à parler sans bégayer d'une traite, à lui, il parle bien. Non, 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 non. Ça ne va pas dire ça. Pas du tout. Hier, je citais, je voulais dire, c'était d'ailleurs, c'était Al-Malik ibn Marwan, quand il est devenu calife, sa première khutbah, il monte sur le minbar. Et il fait une longue khutba. Et il voit un bédouin, il est assis comme ça et on dirait il s'ennuie. Il est en train de partir, il veut dormir. Alors il regarde comme ça, il dit Ayyuhal Arabiyu, kaifa ta'udduna al-balaghata fikum. Il dit toi, le bédouin, comment considérez-vous al-balagh à l'éloquence chez vous? Il a répondu al-badiha, automatiquement, ma qalla mabna. وَكَفُرَ مَعْنَاهُ. Le balagha, c'est la parole dont le nombre de mots est limité, peu, alors que les sens sont nombreux. Allez, dis-nous. Dis-moi, كَيْفَ تَعُدُّونَ الْعَيْنِ. Et lui dit l'inverse, qu'on appelle en arabe l'ayn. Pourquoi c'est, pour vous, c'est quoi? Et là, le bédouin lui dit مَا نَحْنُ فِيهِ مُنْذُ سَعَةٍ. Ce dans quoi nous sommes depuis un moment maintenant avec toi, là. Et ça te montre que tu peux parler l'arabe, tu peux faire des longs discours, mais ce n'est pas pour autant que tu es un orateur. Non, tu n'es pas un orateur. Al-Muhim. C'est pour ça, mes frères, que, bien entendu, comme les mashayikh nous l'ont enseigné, nous l'ont conseillé, quand on veut se faire les dents avec le tafsir, quand on n'a que des dents de lait, hein,
commence avec les tafsirs des contemporains. Cheikh Saadi, rahmatullah alayhi, Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, très bon tafsir. Moi, plus je lis, plus j'adhère. Il n'y a pas besoin de moi pour faire la promotion du livre. Mais juste que malheureusement, on n'entend pas beaucoup ce tafsir-là. En plus, il s'appelle Aïssar al-Tafsir. Très bon tafsir, mashallah, sallallahu alayhi wa sallam, rahimahullah wa ta'ala. Donc je disais, Abdurrahman al-Sa'di, Boubacar al-Jazairi, ils sont simples. Chouya Chouya, les contemporains toujours, Adwa al-Bayan al-Shinqiti, et Tahir ibn Ashur. Mais là, il faut du bagage. Même si c'est un contemporain, ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'est apporté de tout le monde. Puis après, Ibn Kathir, une référence. Puis après, mon préféré, Al-Qurtubi. Après, ça c'est relatif, hein, chacun les goûts et les couleurs, vous connaissez la suite. Et après, Tabari. C'est comme ça. Tu évolues dans le tafsir. Et quand tu évolues comme ça, là, les proportions, les dimensions, hein, elles sont différentes. Les proportions, pas les proportions, les perspectives. Voilà, c'est le mot que je cherche. Al-Shahid, et quand tu vas, si jamais tu vas lire directement toi, Tabari, tu vas tomber sur des apoils de sel, tu vas te dire, qu'est-ce que tu racontes? Et à la fin, c'est un peu tu vas dire carrément 19 pourquoi? Parce que tu n'es pas encore préparé à comprendre ces avis-là. Mais quand tu vas passer d'une étape à une autre, jusqu'à arriver à la base, tu vas voir comment ces avis-là, ils se sont construits dans leur esprit, et pourquoi c'était des avis majoritaires chez eux. Al-Muhim, on revient ici à Yusuf alayhi salam, « فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ » Al-Shaytan, il lui a fait oublier l'évocation de son Seigneur. Et on a dans le Coran, d'autres passages, on en a déjà parlé aussi, que le diable se sert de l'oubli. Que déjà, Aslan l'oubli, min tabi'ati l'insan, tubi'a ala l'misyan. Ça fait partie de la nature de l'homme, l'oubli, d'oublier. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَقَدْ عَهِدَنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَاسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا » Nous avons certes pris l'engagement d'Adam auparavant, il a oublié. Fameux hadith avec les mille ans. Quand Allah il a montré à Adam alayhi salam l'âme de ses descendants, il a vu qu'une âme brillait plus que d'autres, c'était celle de Daoud alayhi salam. Alors il a demandé à Allah combien de temps il va vivre. Allah a eu 60 ans. Allah a eu, Adam, tu prends 40 ans de mes 1000 ans et donne-lui. Comme ça, il finira à la centaine. Puis quand Adam est arrivé à 960 ans, et quand l'ange de la mort est venu pour lui prendre son âme, Adam lui dit non, il me reste encore 40 ans. Et là, Allah lui dit, mais tu vas te donner à ton fils Daoud. Et Adam lui dit non. Dans le hadith, فَنَسِيَ Adam, فَنَسِيَتْ ذُرِّيَتُهُ وَجَحَدَ Adam, وَجَحَدَتْ ذُرِّيَتُهُ Adam il a oublié, alors sa descendance oubliera. Et Adam il a refusé, il a dit non, eh bien sa descendance en fera de même. Et dans le Coran, on a avec l'histoire de Moussa et de Al-Fata, quand Moussa il dit à Al-Fata, donne-nous à manger, nous sommes certes fatigués. Et juste avant, Allah Ta'ala a dit, فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا لَا تَسْتَعْجِلُوا عَلَيْهِ وَلَقَدْ نَبَّهْتُكُمْ عَلَى ذَلِكَ مِرَارًا فَقَلَّ مَا تَسْمَعُونَ صح c'est vrai, il y en a كثير ما انسى واحنا نتكلموا عن النسيان c'est vrai que j'oublie beaucoup et c'est vrai que je vous demande de l'aide ولكن لا تستعجلوا. Ne vous précipitez pas quand vous ne savez même pas de quel verset je cherche. Donc, Fanasia, Houtahoum. Ils ont oublié leur hout, leur poisson. Puis par la suite, Yusha'id lui dit Qala ara'aita id awayna ila sakhati fa'ini nasitu al-hout. Wa ma ansanihum qira'atan illa shaytan al-adhkwa. Et ce n'est que le diable qui me l'a fait oublier. Et Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, imma yunsiyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra
Et si jamais le diable te fait oublier, donc il قال قائل ما تقوله يبدو صحيحا ولقد أيدته ببعض الآيات لكن الله تعالى يقول لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وأنبياء الله ورسله من عباده هذا لا شك فيه ولا مرية ولا ريب فما جوابك سكت كان يجيب ذاك Tu m'as convaincu. En plus, tu as confirmé ce que tu viens de dire avec des versets du Coran. Comme quoi le diable il fait oublier. Même à des gens comme Yusha, ou bien même dans le verset, quand Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, est-ce qu'effectivement il a oublié ou pas, ça c'est autre chose. Alors, dans le hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, innama ana basharun mithlukum, ish la. لقد أعددت لكم فخا فوقعتم فيه. J'ai posé le piège. وانا لقد نبهتكم عن الاستعجال. وصدق الله إذ يقول خلق الإنسان من عجل. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. J'ai dit في الحديث. ودي في الآية. إنما أنا بشر مثلكم. يا الله. أحسنت. أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني. Dans le hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis qu'un homme comme vous. J'oublie comme vous oubliez. Lorsque j'oublie, rappelez-moi. Donc, خلاص, تقرر ان المساله فرغ منها قضي منها. Comme quoi les êtres humains tout d'abord, ils oublient. D'accord ? Même les prophètes ils oublient. طيب. Maintenant, Allah il a dit à Iblis إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. Mes serviteurs, mes esclaves, tu n'as aucun pouvoir sur eux. ليس لك عليهم سلطان. Et bien entendu, le premier qui rentre dans مسمى العباد, excusez-moi, les premiers qui parlent, qui rentrent dedans, ce sont les prophètes et les messagers, sans aucun doute. Comment est-ce qu'on fait lien alors? On va dire قد يريد الله تعالى أو يترك الله تعالى وقوع ذلك قدرا لحكمة يريدها الله عز وجل il peut laisser ce genre de choses arriver pour une sagesse qu'il vise c'est comme quand le prophète صلى الله عليه وسلم il se fait ensorceler ou bien il tombe malade pourquoi Allah تعالى laisse ces choses arriver Alors pourquoi ils faisaient des invocations tous les jours. Ils faisaient des causes tous les jours. Et pourtant, c'est rien. C'est pour des raisons, des sagesses qui apparaissent par la suite. Et donc Youssouf alayhi salam, selon donc la vie majoritaire, le diable lui a fait oublier de demander à son Seigneur directement. Et pour ça, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait garder, il l'a laissé en prison, bid'asim. اصلا اللبس هو المكث الطويل اصلا le fait l'emploi du mot labitha ça veut dire rester longtemps regardez dans le Coran quand Allah parle des gens d'enfer que dit-il labithina fiha ahqaba labithin اللبس c'est rester longtemps et là il a dit bid'a sinin fa labitha fi sijn bid'a sinin le bid'a En arabe, c'est un mot, kalimatun, turidu tushiru ila adadin yakunu bayna thalath wa tis'a. Le mot bid'a, en arabe, fait référence à un nombre qui se trouve entre 3 et 9. Entre 3 et 9. Wasluhu, al bid'a bima'na al qit'a min al adad. Et d'un point de vue linguistique, le mot bid'a signifie une partie, la partie d'un nombre. La partie d'un nombre. Et قال بعض أهل العلم أن المقصود بالبدع هنا سبع سنين. قطعوا وجزموا أن مدة لبثه في السجن سبع سنين.
Alors, sept aussi. Donc, la base, c'est qu'on ne sait pas exactement combien de temps il est resté en prison. On sait qu'il est resté plusieurs années, entre 3 et 9 ans. Certains ont dit qu'il est resté 7 ans. Sur quoi se sont-ils basés? Peut-être sur les Israéliens ou sur les récits qu'on trouve dans les gens, chez les gens du livre. Al-Muhim, entre 3 et 9 ans. Et on trouve dans Sourate Al-Rum, le verset où Allah Ta'ala nous parle justement de la guerre qui opposait Rum al-Furs, les Byzantins aux Perses. Allah Azza wa Jalla dit Alif Lam Mim ghulibati ar-Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Donc les Byzantins ont été vaincus fi adna al-ard, dans la terre la plus proche, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, et après leur défaite ils vont remporter la victoire, fi bid'i sinin, dans quelques années. Et on connaît le hadith, l'histoire où Abu Bakr radiallahu anhu est parti parier avec Quraysh justement sur la victoire de Rome. Et ils se sont mis d'accord sur 7 ans. Et 7 ans plus tard, bah, ils n'avaient toujours pas remporté la victoire. Et là, Abu Bakr, il a été en parler au Prophète, il me dit, vous avez parié sur combien d'années? Il a dit 7 ans. Il me dit, zid fil ajal. Ou fil khatar. Je dis, va retourner les voir, rajoute le temps parce que le bid' ça va jusqu'à 9. 1009, 1017. Et rajoute aussi dans le pari. Ça, bien sûr, c'est avant que le pari ne soit interdit. Vous voulez partir dans le tiercé en rentrant. Al-Muhim, là, tu rajoutes 2 ans et rajoute aussi dans le pari. Donc il a rajouté 2 ans et finalement il s'est passé ce qui a été prédit comme dans le Mouhib. Donc, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Imagine-toi si la vie des salaf, il est comment dirais-je, comme on l'a dit avec la parole de Hassan al-Basri, si à cause d'une parole, à cause du fait d'être parti voir une créature sans demander au créateur, Allah Ta'ala il a fait rester en prison des années. Et qu'est-ce qu'on doit dire nous? Sah, on n'est pas dans une prison réelle. On n'est pas dans une cellule enfermée. Mais on vit dans une prison. On est là, on est déprimé. Vous avez vu, ils appellent ça la maladie du siècle. Les dépressifs. Les gens ne sont pas bien intérieurement. Et pourtant, ils sont libres. Ils sortent de chez eux quand ils veulent. Ils ont une voiture. Ils ont un passeport. Ils peuvent voyager. Mais ils ont envie de rien faire. Ils restent chez eux, ils broient du noir, ils s'appuient sur leur sort. On dirait qu'ils sont les plus malheureux du monde. Alors qu'ils sont croyants. Il y a plein de gens, justement, ils viennent nous voir, ils disent, on ne comprend pas, tout va bien dans nos vies, on est mariés, on a des enfants, on est en bonne santé, on a un bon travail, on a de l'argent, mais on est malheureux. Combien de gens nous disent des choses comme ça? Et comme les gens, malheureusement, dans la clia, dans la mentalité contemporaine, eux, ils voient, ils pensent qu'on leur a fait un aïn. Eux, ils trouvent toute leur solution dans l'aïn. Ouais, on a dû faire un aïn. Mais eux, ils donnent des super pouvoirs pour l'aïn. Il faut regarder les itinéraires. Pas croire que le aïn a un effet extraordinaire, ça. Comme dans le hadith, l'aïn, haq, ou le hadith l'akhar, l'aïn, yudkhilu al-rajul al-qabr, ou al-ibil al-qidr. L'œil, le mauvais œil, c'est une réalité. Il fait rentrer le chameau dans la gamelle, la marmite, et l'homme dans la tombe. Il peut tuer. Mais il ne faut pas non plus lui conférer des pouvoirs extraordinaires. Dans toute ta vie, tu vas être malheureux à cause d'un aïe. Non, ça ne marche pas. Il faut chercher ailleurs. Il faut se dire, il y a un problème. C'est la relation, mon iman à moi qui ne va pas. Al-Muhim. Et l'autre avis donc, que c'est le fait à Saqi qui a oublié, quand il est sorti de prison, de parler de Youssouf au roi, et ainsi il est resté en prison des années. On avait parlé la dernière fois de l'asbah. Allah subhanahu wa ta'ala yusabbibu l'asbah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait les causes.
Quand on dit qui fait les causes, qui choisit dans les causes ce qui va donc, contribuer à la réalisation de ce qu'il a décidé. Là, nous, notre, on a déjà parlé de ça aussi, dans notre conception, c'est quoi les causes pour maintenant vivre bien. Donc, je travaille bien à l'école, je sors avec un diplôme, je travaille, j'ai un bon salaire. Et après, je vis bien. C'est ça les causes dans notre conception matérialiste contemporaine. Ça marche comme ça. Même Hatta, aujourd'hui, quand tu es chez tes parents, tu n'as pas des notes à l'école, tu échoues à l'examen, dernièrement, il y a le bac là. Il y a des gens qui font le bac ici ou pas? Non? Tu l'as eu? Machin, très bien. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, nous, ton fils, il arrive dans la maison le jour des résultats. Toi, t'es comme ça. T'es... Alors, le bac, tu l'as eu? Après, il dit non. C'est là pour l'intégrer. Ça y est, là, pour toi, à ce moment-là, il ne vaut plus rien, ton enfant. Tu le vois déjà en train de vider les poubelles le matin avec le camion. Ben, qui a dit que la réussite d'une personne, elle, elle dépendait de sa réussite scolaire? C'est écrit où ça? C'est écrit. C'est un credo qu'on nous a imposé, mais ce n'est pas une réalité. Et on a tous autour de nous des gens qui n'ont pas forcément eu des bons résultats à l'école, qui en sont sortis même jeunes, tôt, et machin, ils ont réussi dans la vie. Il disait à Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, tellement Moubarak, il disait que chaque fois qu'il soulevait une pierre, il trouvait de l'or en dessous. Il l'a jeté. Elle mourait. Ça, c'est ce qu'on nous a répété à longueur de temps. Travaille bien à l'école. Sinon, tu ne travailleras pas. Tu n'auras pas d'argent. Tu vivras malheureux. Ah voilà, tu vois le principe de. Il nous répète, Zahma, symboliquement, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu parles, ouais. Ça ne veut pas de nous dire travaille pour avoir de l'argent et que de l'autre côté, tu dis l'argent ne fait pas le bonheur. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas logique. Il y a un problème, il y a une incohérence quelque part dans vos propos. C'est parce qu'ils nous ont fait croire que tu n'as pas d'argent, tu ne veux pas vivre heureux. Et nous, on voit des gens aujourd'hui qui ont de l'argent, mais qui ne vivent pas heureux. Donc, il y a un problème quelque part. Et toi, tu as adhéré à ce système. Tu as accepté ses causes. Tu demandes à Allah un travail et il te le refuse. Alors, c'est triste. Tu viens, tu as peur de te faire virer. Tu demandes à Allah de te conserver ce travail-là et tu te fais virer. C'est triste. Pire encore, tu en veux. Allah Azza wa Jal ne pas t'avoir donné ce que tu voulais. Pourtant Allah dit Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Regarde ici, Yusuf Alas. Nous, on va tous se dire que ce serait mieux pour lui sortir de prison. Il n'a rien à faire là-bas, il est rentré injustement. Mais Allah Ta'ala a voulu qu'il y reste. Et pas qu'un peu, des années. Maximum 9, au minimum 3. Pourquoi? C'est que ça. Le fait de rester en prison n'allait pas être seulement un moyen pour lui d'en sortir par la suite, mais ça va être un moyen pour lui d'atteindre un statut, d'atteindre un stade qu'il n'aurait pas atteint s'il était sorti par le biais du cercle. Il n'aurait pas atteint ce stade. Donc Allah Ta'ala, il lui a voulu mieux que ce que lui a voulu pour lui-même, c'est-à-dire sortir de la prison. Allah va non seulement le faire sortir de prison avec tous les honneurs, mais il va lui faire atteindre un rang de ministre. Où t'as vu toi un prisonnier sort de prison et on a une promotion de ministre? Où t'as vu ça toi? Juste pas. Non. Allah il n'a pas seulement voulu le faire sortir de prison, il a voulu qu'il atteigne les plus hauts degrés dans cette société, dans cette hiérarchie. Et pour ça, il a fait garde, il a fait rester en prison. C'est pour que tu comprennes, mon frère, que l'Illah il hikmatul bal. Toujours répète quand tu demandes quelque chose et tu ne l'as pas, répète en toi, en ton fort intérieur, même répète-le à voix haute, hurle-le. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah il sait, vous ne savez pas. Tu veux te marier? Je sais que c'est très très. C'est le problème de nos chers frères célibataires, c'est même le problème de nos autres frères qui ne sont pas célibataires entièrement. Comme il disait Wahab, un frère que je connais. On discutait avec d'autres personnes, on faisait connaissance. Il lui dit qu'il était célibataire. Il a répondu oui trois fois. Oui, Achaï, c'est le problème.
Après, je veux me marier, après, je veux me marier, après, je veux me marier. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas. Ils enchaînent les moukha blabla. Et ils voient toutes les sœurs de l'univers, mais ça ne marche pas. Après, ils croient qu'Allah, il ne l'aime pas. Ils croient qu'Allah, il ne veut pas lui donner ce qu'il veut. Ils croient. Et après, Allah, il te fait du bien. Quand il est en train de te préparer pour que, quand la femme qu'il t'a choisie te sera donc facilitée, tu profiteras vraiment de cela. Ou bien même, peut-être qu'il t'a évité un énorme mal. Tu vas te marier avec une femme, elle va faire de ta vie un enfer. Ou bien, tu vas pas être toi à la hauteur avec elle. Et c'est toi qui vas faire de sa vie un enfer. C'est mieux pour toi de pas te marier. Ça, c'est des choses qu'on comprend pas, nous. Et donc, il faut qu'on fasse confiance à Allah Azza wa Jal. Quand on est là, et on répète, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, Shafawiyan, oralement, on dit Raditu billahi rabba. J'accepte, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur. Mais il ne faut pas que ce soit que des mots, que ce soit une réalité. On est tous conscients qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui décide. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui choisit. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Et que il veut le bien pour nous plus encore qu'on ne le veut pour nous-mêmes. Ça, c'est théoriquement, c'est accepté. Maintenant, est-ce que c'est réel dans notre vie de tous les jours? Là, c'est une autre chose. Là, c'est une autre question. Donc, quand tu désires quelque chose fortement et que tu ne l'obtiens pas, rappelle-toi qu'il y a pour toi un bien dans cela. Allah dit dans le Coran, « Alam ta'alam ». ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألم تعلم؟ ألم تعلم أن لا ألم ترى؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. سورة أحسن الحديث. Ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre? Rien ne lui échappe. Tout ce qui se passe dans l'univers, dans la création, c'est dans un livre. Fouriha wa qudiya min kitabatihi 50,000 sanatin qabla an yakhluq Allah as-samawati wal ard. Tout cela est mentionné dans un livre dont l'écriture fut achevée 50 000 ans avant qu'Allah ne crée les cieux et la terre. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika ala Allah yasir. Tout ça pour Allah, c'est facile, c'est simple. Après, il dit, likay la ta'saw ala ma fat. Pour ne pas que vous soyez attristés face suite aux choses qui vous ont manqué. Vous vouliez des choses, elles vous ont manqué, vous ne les avez pas eues. Ne soyez pas tristes. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ. Et en même temps, n'éprouvez pas de joie pour les choses qui vous ont atteintes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas s'il y a un bien pour toi vraiment. Ça se trouve, c'est un bala, c'est une épreuve. Ça se trouve, c'est un iqab, c'est une punition. Tu ne sais pas où le khayr il est pour toi, tu ne sais pas. Dans le hadith, prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a certains fils d'Adam, qu'Allah Ta'ala, pour lesquels Allah a préféré la pauvreté. La pauvreté! S'ils les avaient fait riches, la kanu akfara ibadillah. Ils auraient été les plus mécréants sur terre. Qu'Allah leur a voulu du bien en les faisant pauvres. Imagine-toi. Ça ne se fait pas dire aux pauvres. Dieu, nous, on mange. Quand on mange quoi? On est pauvres. T'imagines-toi? لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين. Tu sais pas, cette chose que tu as finalement réussi à obtenir, tu sais pas s'il n'y a pas dedans ton halak, ta faim, ton anéantissement, tu ne sais pas. Et là, ne remets jamais en cause les causes. Et garde en tête qu'Allah, il sait que toi, tu ne sais pas. Et garde en tête
qu'Allah Ta'ala il veut le bien pour toi plus que tu ne le veux pour toi-même. Donc quand les choses arrivent, اقبلها بصدر رحم, accepte-les avec une poitrine large. Et c'est là que tu dis raditu billahi rabba. C'est là que tu dis raditu billahi rabba. C'est pas comme nous on dit avant la prière raditu billahi rabba, comme c'est parti. Des formules qu'on répète mécaniquement sans réfléchir. Non. Quand tu veux quelque chose et que tu l'as pas, ça te fait de la peine. Dis-le. Force-toi à le dire. Raditu billahi rabba. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِطْعَ سِنِينَ. Il est resté en prison des années. Vous allez en dire combien? Entre 3 et 9. Minimum 3, maximum 9. Et certains, comme on l'a dit, ont dit qu'il s'agissait de 7 ans. Al-Mohim. Après, on passe à un nouvel épisode. Une cause qu'Allah Ta'ala a choisi pour justement faire sortir Youssouf de prison, alayhi salam. C'est pas As-Saqi, c'est le roi directement. Youssouf, il a voulu passer par As-Saqi pour atteindre le roi. Mais Allah Ta'ala, c'est le roi qui va demander Youssouf. Et c'est pas Youssouf qui a demandé le roi. Youssouf a demandé le roi. Allah il m'a dit, ben c'est le roi qui va te demander. Et c'est lui qui va avoir besoin de toi. Et c'est lui qui va aller te chercher. Comment? En lui faisant faire un rêve. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuha al-mala'u aftuni fi ru'yaya إن كنتم للرؤيا تعبرون الملك والله نجد et pourtant il l'appelle Al-Malik. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a tendance à croire que les rois égyptiens sont les pharaons. Mais il apparaît, et Allah Ta'ala sait mieux, que l'histoire de Youssouf alayhi salam a eu lieu avant la dynastie des pharaons. À une époque où les rois égyptiens n'étaient pas appelés Pharaon. Donc Al-Malik Hada, c'est le roi. On a le Malik, on a l'Aziz, d'accord, qui était donc le maître de Youssouf après qu'il l'ait acheté. Et on a Pharaon, qui va être par la suite un titre donné au roi en Égypte. Mais ce sera un autre peuple et une autre dynastie. Wa qala al-maliku wa hadha al-maliku laysa musliman wa la mu'mina. Innahu qibtiy. Wal aqbat kama aslafna lam yakunu mu'minin bal kanu mushrikin. Et ce roi-là n'est pas croyant. Il fait partie des Coptes. Comme on l'a dit précédemment, les Coptes ne sont pas croyants, ce sont des associateurs. D'ailleurs, on verra par la suite le verset où Allah Ta'ala dit: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يوسف ne pouvait pas récupérer son frère في دين الملك. Donc on verra, est-ce que dîner c'est la religion, ce c'est la loi? Bref, on en reparlera à ce moment-là, inshallah ta'ala. Mais dans tous les cas, ça indique que il n'a pas la même religion que Youssouf عليه السلام. وقال الملك إني أرى. Je vois. ولم يفصل نوعية الرؤية لعلم الناس أن المرئية لا يكون إلا في المنام. المرئية الذي سيذكره لاحقا. Il a dit je vois, je vois. Et on a vu ensemble que le verbe ra'a en arabe il a plusieurs sens. Ra'a, ra'yan, avoir un avis. Ra'a, ru'yatan, voir. Ra'a ri'atan. Voilà, ra'a ri'atan. Ri'atan, c'est les poumons. Et ra'a, ça veut dire respirer. Vous voyez le ra'a, bi ma'na alima al-muhim. Chaque fois que le verbe ra'a aura un sens différent, son masdar sera lui aussi différent.
Donc ici, Ra'a, c'est un rêve. Même s'il n'a pas précisé le type de vision qu'il a eue. Mais, quand on va entendre le contenu de la vision, les gens sauront qu'il s'agit bien d'un rêve qui a été fait donc, alors qu'il dormait. Qu'est-ce qu'il a vu dans ce rêve-là? Juste, bon, je suis là. Qu'est-ce qu'il a vu dans ce rêve-là? Il a dit, « Inni ara sab'a baqaratin siman. » J'ai vu sept vaches siman. Wa siman jam'u samin wa samina. Siman, grasse, grosse. D'accord? J'ai vu sept vaches grosses. Ya'kuluhunna sab'un ijaf. Qui ont été dévorés par sept ijaf. Wa ijaf jam'u ajfa. Wa hiya dhatu al-ajf. Wa al-ajf huwa al-huzal al-shadid. Wa huwa al-huzal huwa khuluw al-'azm min al-mukh. Sab'un ijaf, al-ijaf c'est la bête dont les os sont creux. Comment les os, généralement, on trouve de la moelle dedans. Mais lorsque la bête, elle est faible, de façon à ce qu'elle ne tienne pas sur elle-même, elle a le hosal, c'est-à-dire elle a du mal à se porter son propre poids. Pas parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est faible. Et elle est faible parce qu'elle a les os creux. Dans l'Ahkam al-Udhiya, dans les règles relatives au sacrifice de l'Eid, il y a les uyoub, les défauts qu'on ne doit pas trouver dans la bête à sacrifier. Et parmi elles, al-Hazila. Al-Hazila. À l'époque, on avait étudié ça, on avait vu la bête qui a les os creux. Nous, on s'est dit, mais comment on fait pour savoir que l'os, il est creux? Tu tapes dessus. À l'époque, on avait demandé à un chir, il nous a dit, il faut demander à l'Utahassos. Les gens qui connaissent les bêtes, les éleveurs, ils savent eux. Et on en avait vu un jour, il a dit, ouais, elle tremble. C'est la bête qui tremble. Quand elle tient debout, elle, ses pattes, elles tremblent. Parce que l'os, il est creux, donc il n'y a pas de force. Al-Muhim, tout ça pour dire qu'en fait, ça fait référence à la bête maigre. La bête qui a la peau sur les os. La bête qui est faible. La bête qui ne peut pas se porter elle-même. Comme aujourd'hui, il y a des gens, ils sont gros, et ils te disent, non, je ne suis pas gros, en fait, j'ai les os lourds. je suis là. Comment tu sais, toi, que ton os, il est lourd? Si, c'est mon docteur qui me l'a dit. Ouais, subhanallah. Faut arrêter, t'es gros, moi, je suis gros, faut assumer, arrête de manger des kebabs au petit déjeuner, et tu verras, tes os aussi vont maigrir. Al-Muhim, donc, j'ai vu cette vache grasse se faire dévorer par sept vaches maigres, squelettiques. Wa sab'a sunbulatin. Sunbulat, jam' sunbul. Wa yujma'u ala sunbulat wa sanabi. En français, sunbul, c'est l'épi. Wa asluhu. يعني أصله اللغوي من أسبل من أسبل إذا صار أسفله ومنه الإسبال. La base linguistique du mot sunbul, c'est le verbe asbala. C'est ce qui vient en dessous. Parce que l'épi, quand il commence à se développer, ça commence par en bas. Ça commence par en bas, petit à petit, ça s'ouvre jusqu'en haut. Et pourquoi on a appelé Sunbul par rapport à Asbala, qui veut dire être, pardon, en bas? Parce que ça commence par le bas. Et d'ailleurs, on a Al-Isbal. Al-Isbal, c'est quand on a les vêtements qui traînent sous la cheville. Man Asbala, thawbahu, khuyala, lam yandhurillahu ilayhi, wa la yukallimuhu Allah. ولا يزكيه وله عذاب أليم الحديث او كما قال عليه الصلاه والسلام
Et dans notre hadith, ma asfala, c'est pas asfala, muhim. Donc celui qui laisse traîner ses vêtements sous la cheville par orgueil, Allah ne le regardera pas, il ne lui parlera pas, il ne le purifiera pas, et il aura un châtiment douloureux. Al-muhim, sunbul, c'est les pieds. Wahwa, zara. C'est donc l'épi, comme on l'a vu, comme on l'a expliqué. Wa sab'a sunbulatin khudr, donc mûrs, donc qui ont poussé, ça y est. Wa ukhara yabisat, et d'autres, wa ukhara, les sept autres, yabisat, sec, ou la sèche, non sec, un épi sec. C'est-à-dire, lam yanbut fihi shay'un, rien n'a poussé dans cet épi-là. Il est sec. Donc il a vu sept vaches grasses se faire dévorer par sept vaches maigres. Et sept épis mûrs se faire dévorer par sept épis secs dans lesquels il n'y avait rien. Il n'y avait rien par là. Ya ayyuha al-mala'u aftouni fi ru'yaya. Ya ayyuha al-mala'u. Al-mala'u hum ashrafu al-qawm. Le malin, on avait déjà vu ensemble qu'il s'agissait des gens nobles dans le peuple. وسموا ملأً لأن الناس يملؤون من صورهم أعينهم. Et ils ont été appelés malin en référence à la culture de malaa qui veut dire remplir. Parce que quand les gens les voient, ils remplissent leurs yeux de leur image. Oh, ils ouvrent les yeux en grand, ils n'ont plus des yeux. Comme aujourd'hui, tu vois. Certaines célébrités, quand les gens les voient, ils sont comme ça, ils ouvrent les yeux, ils ouvrent la bouche, ils sont comme ça, bouche bée. C'est ça, Maksoud, le malin. Les gens importants dans le peuple. Et en fait, ici, le malik, le mara a ru'yatahu, jama'a, li ajli ta'biriha, al-kahana, wa al-ulama, wa al-muzara, wa al-mudama, wa ghayrahum, mimman lahu ra'yun. Yusma. Quand le roi il a fait ce rêve-là, qu'il a intrigué, il a réuni toutes les personnes qu'il estimait capables de l'interpréter. Il a réuni ses ministres, il a réuni ses conseillers, il a réuni les devins, il a réuni les savants, tout le monde. Après leur avoir raconté le rêve, il leur dit « Ya ayyuhal mala'u aftouni ay akhbirouni, informez-moi, aftouni fi ru'yaya, in kuntum li ru'ya ta'bou. » Informez-moi au sujet de cette vision. In kuntum li ru'ya ta'burun. Abara al-asl huwa an yaqta' al-mar'u an-nahra li yablugha shati'ahu. Abara en arabe, à la base, ça veut dire traverser. C'est un verbe qu'on utilise quand on va traverser un fleuve pour atteindre l'autre rive. Ça, l'ubur, on appelle ça en arabe. Abara ya'buru 'uburan. Et on s'est servi de abara pour interpréter le rêve, parce qu'on va arriver de l'autre côté du rêve pour donner le sens. Comme on a traversé le fleuve pour arriver de l'autre, sur l'autre rive. In kuntum lir-ru'ya ta'burun. Si vous interprétez les rêves, si vous connaissez le sens des rêves, alors informez-moi au sujet de ce rêve. Qalu adghath ahlam. Adghath jam'u dirf. Jam'un dirf. Où est-ce qu'on trouve le mot dirf dans le Coran? Ah, la feinte de. J'étais content, je fais Mashallah. Yassine, il a fait ça, après s'est gratté la tête derrière. Monsieur Mohamed? Hein? Attends. Ahsante. Fatah Allahu alayk. Wa khudh bi yadika dirfan. Wa dirf. هي الجماعة من الحشيش جماعة من الحشيش الحزمة من الحشيش الضغط en arabe c'est quand tu prends on va pas dire un bouquet يعني une partie de l'air. Dans l'histoire de Ayoub alayhi salam dans Surah Sad, Ayoub était malade comme vous le savez tous et sa femme s'occupait de lui.
et elle a dû se raser la tête pour pouvoir pour vendre ses cheveux et pouvoir subvenir aux besoins de son mari. Et elle ne se découvrait plus la tête en sa présence. Et il a demandé pourquoi. Elle lui a dit non comme ça, il a insisté, insisté, puis elle a fini par découvrir sa tête, il a vu qu'elle était chauve. Alors, il s'est énervé, il a juré que quand il retrouvera la santé, il lui donnera 100 coups de fouet, 100 coups de bâton. Puis Allah, il l'a guéri. Et après, donc, il a regretté d'avoir juré cela dans un moment de colère. Et Allah Ta'ala, il lui a dit « Wa khudh bi yadika dirthan fadrib bihi wa la tahnath » Prends de ta main, dirth, donc sans brindille, fadrib bihi wa la tahnath » Frappe avec et ne fais pas de parjure. Donc il a pris 100 brindilles et il a mis un coup à sa femme, ça revenait à 100 coups de bâton. Et donc ici, le maqsoud, c'est dirf. Dirf, donc c'est prendre un certain nombre de brindilles, de tiges, et les mettre comme dans un bouquet. Et al-adras, c'est pluriel de dirf. Et al-maqsoud, mouna al-akhlat. Mélange. Adras ou ahlam. Et ahlam ici, c'est le pluriel de hulm. Ahlam, ça peut être le pluriel de hulm et le pluriel de hilm. والحلم بمعنى العقل أولو الأحلام والنهى الحلم هي الرؤية التي لا معنى لها الحلم c'est le rêve qui n'a pas de sens qui est composé d'un milliard de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres hein? D'ailleurs les maghrébins ont dit c'est comme ça que pendant qu'on appelle le rêve nous au Maghreb on dit Tu es en train de rêver, le hulm. Et en fait, ils font la différence entre le hulm et la ru'ya. Ils font la différence entre ces deux mots-là. Le hulm, c'est le rêve qui n'a pas de sens. La ru'ya, c'est la vision qui a un sens. Donc eux, ils entendent le roi parler de sept vaches grasses, sept vaches maigres, sept épis mûres, sept épis secs. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Quel rapport entre tous ces éléments-là? Il n'y en a pas. Donc ils ont, enfin, il n'y en a pas selon eux. Donc ils ont estimé que ce n'était qu'un mélange de plein de choses différentes qui n'ont rien à voir ensemble. Donc ils ont estimé que c'était pas seulement un hulm, un rêve qui n'a pas de sens, mais c'est un mélange de rêves qui n'ont pas de sens. قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ Et nous ne connaissons pas l'interprétation de ce genre de rêve. Ils ont même dit ahlam. لو كانت رؤية صادقة لعبرناها لك. لكنها في أنظارنا مجرد أضغاث وأخلاط لا معنى لها. En gros, ils ont dit si c'était une vision véridique, on te l'aurait interprété. Mais, comme c'est une vision composée de mélanges qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, on ne connaissons pas l'interprétation de ce genre de rêve-là. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الرُّؤْيَا أَنَّ أَجْزَاءَهَا مُتَنَاسِقَ بَيْنَهَا يعني تَرْتِيبٌ Mantéqui. Et ça te fait comprendre que, à la base, on dit bien à la base, le rêve, la vision véridique, est une vision dont les parties correspondent. Il y a une harmonie entre elles. Il y a une relation entre elles. C'est pas n'importe quoi. Comme des fois, des gens me racontent des rêves. Et je dis, arrêtez-moi de me raconter vos rêves. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, vous pourrez être sûr à 99%. Je vous dirai Adras ou Ahlam. Ah, vous pouvez être sûr à 100%, presque. Celui qui a fait un rêve qui a titillé mon esprit, il se compte sur une phalange. Ah, mais les rêves Star Wars, Game of Thrones, je ne sais pas quoi oublier. Hein. Arrête de regarder Dragon Ball pendant 10 ans, arrête de jouer à Fortnite pendant 10 ans, et après on pourra discuter de tes rêves. Mais cet esprit-là que tu as alimenté pendant des années avec des films, des dessins animés, des jeux vidéo, de la science-fiction,
Oublie tes rêves, oublie. Oublie. Dis pas, ouais, j'étais en train de rêver, j'étais en train de voler, puis j'ai sorti du feu avec mes yeux, et il y a quelqu'un, il est venu, puis j'ai jeté une boule, et je l'ai capturé dedans. C'est ça, quoi, j'ai raison, ça. Oublie. Oublie. Et donc, eux, ils te disent, وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِ أي لو كانت رؤيتك صادقة لاستطعنا تعبيرها. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Pour nous, ton rêve, il n'a pas de sens. Si c'était vraiment une vision véridique, on nous aurions pu te l'interpréter. Pourquoi ils te disent ça? لِأَنَّ الْأَقْبَاطَ كَانُوا مَعَرُوفِينَ بِتَعْبِيرِ الرُّؤَى. Parce que les Coptes étaient connus pour interpréter les rêves. Ils savaient faire. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement ici, أَظْهَرَ فَضْلَ يُوسُفَ عَلَيْهِمْ حَيْثُ اسْتَطَاعَ تَعْبِيرَ رُؤْيَةٍ عَجَزَ الْأَقْبَاطُ عَنْ تَعْبِيرِهَا. C'est de cette façon-là qu'Allah ta'ala, il a montré la supériorité de Yusuf alayhi salam sur les Coptes. Car il a réussi à interpréter un rêve que eux ont été incapables d'interpréter. وَإِلْ قَالَ قَائِلْ كَيْفَ رَأَى الْمَلِكُ رُؤْيَةً صَادِقَةً وَهُوَ كَافِرٌ. وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا أَنَّ الرُّؤْيَةَ الصَّادِقَةَ يعني بشرى للمؤمن يراها أو ترى له. C'est quelqu'un qui dit, comment est-ce qu'il est possible que le roi fasse un rêve, une vision véridique, alors qu'il n'est pas croyant? Et nous, on a vu précédemment que la vision véridique vient du croyant. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour le croyant. Mais il y a des istifna'at, des exceptions. Des exceptions, dans certains cas, Allah Ta'ala va justement faire voir aux mécréants une vision véridique. Les annafiha. Maslahatan lil jami'. Car il y a à travers elle un intérêt pour l'ensemble, pour tout le monde. Comme on va le voir par la suite ici, ça n'est pas un rêve qui concerne le roi seulement, mais tout son peuple. D'ailleurs, Hatta dans Ta'bir al-Ru'a, dans les livres qui ont été écrits là-dessus, Taymouri, An-Nahas et les autres, et aussi Qutayba, Ibn Abi Qutayba et les autres qui ont créé des livres justement dans les Qawa'id, les règles qui relatives à l'interprétation des rêves. Ils disent que, en général, quand le roi il fait, le roi ou le président, le détenteur de l'autorité dans le pays, il fait un rêve, ce ne sera pas pour lui tout seul, ce sera pour tout le monde. C'est pour ça ici que la maslaha al-amma tata'adda kawnahu kafir, que l'intérêt général, il va outrepasser le fait qu'il soit mécréant. Et qu'Allah Azza wa Jalla, il va se servir de lui pour l'intérêt des autres. Et donc là, comment on va finaliser la qaïda, la préciser, c'est que le kafir ne va pas faire un rêve véridique pour lui-même tout seul. S'il fait un rêve véridique, ce sera pour les autres. Il va peut-être en profiter, ça, mais ce ne sera pas pour lui tout seul. Et là, ici, on comprend pourquoi le lien maintenant entre le fait que le croyant il voit une vision véridique, pour lui tout seul, c'est une bonne nouvelle pour lui, ou bien la voir pour lui, et le mécréant avoir une vision véridique, mais pas pour lui tout seul, pour tout le monde. Donc, وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِ قَالَ الْعُلَمَاءَ جَمَعَ الْمَلَأُ بَيْنَ الْجَزْمِ وَالْجَهْلِ فَجَزَمُوا وَقَطَعُوا أَنَّ رُؤْيَةَ الْمَلِكِ أَضْغَاثُ أَحْلَامِ وَاعْتَرَفُوا بعدم علمهم بتعبير الأحلام. Là, les savants disent que ces ministres, ces gens que le roi a réunis pour leur raconter son rêve, c'est des gens qui ont réuni entre l'affirmation et l'ignorance. Et ils ont affirmé que le rêve du roi n'avait pas de sens, tout en reconnaissant leur incapacité à interpréter ce genre de rêve. Et là, les ulama, ils ont dit, donc déjà, que si tu es conscient que tu ne connais pas la chose, n'affirme pas que c'est n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup de malheureux.
Des fois, on parle de choses, j'entends des gens, des fois, ils me disent « Oui, on a débattu sur telle chose. » Maintenant, ils ont dit « Oui, on a dit non. » Je fais « Aslim, pourquoi vous débattez à cela ? » Pourquoi vous débattez ? Pourquoi vous ne débattez pas sur le titanium et le platinium ? Pourquoi vous ne débattez pas sur la théorie de la relativité ? Pourquoi vous ne débattez pas sur la neurologie, la cardiologie ? Et vous allez débattre dans le fait que la aqida, pourquoi ? Si tu n'as pas les capacités de débattre dans ces domaines-là, ne débat pas dans les domaines religieux aussi. Le moyen. Si tu es conscient que tu es ignorant, pourquoi tu donnes ton avis ? On n'en veut pas ton avis. On n'en a pas besoin à ça. Ça, c'est, comme ils disaient certains scientifiques, hein, certains philosophes, c'est limite propre au peuple français. Quand je dis peuple français, je ne parle pas des Français de souche, tous ceux qui vivent en France. Tous ceux qui sont imprégnés de la culture française. Même ils l'ont donné un nom, ils l'ont appelé l'ultra-crépidérianisme. En gros, c'est celui qui donne son avis sur tout, même si c'est rien. C'est ça. Et Allah Azza wa Jalla dit « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » Ne va pas t'avancer sur les choses dans lesquelles tu n'as aucune science, pour lesquelles tu n'as aucune science. Al-Sam'a, lui, Al-Basar, la vue, Wal-Fu'ad, le cœur, tu seras interrogé sur tout cela. Ibn Kathir, Ahmadullah Ali, il rapporte dans le Bidaya wa Nihaya, il raconte l'histoire d'un arabe avant l'islam qu'on appelait Amir ibn Zirab al-Udwani. Mouchrik. Il est le Mouchrik, il fait d'Alik al-Zama. Cet homme-là, il faisait partie de la tribu de Moudar. Kana Sayyidahum. وخطيبهم وفارسهم وشاعرهم وكان العرب كلها تأتيه لتحتكم إليه فكانوا لا يعدلون بعقله عقلا ولا برأيه رأيا. Cet homme-là était quelqu'un qui avait réuni toutes les qualités à son époque. C'est le plus grand orateur, le plus grand poète, le plus grand combattant, le plus noble. Et les gens traversaient l'Arabie entière pour obtenir son jugement dans leurs conflits respectifs. Un jour, il y a toute une tribu qui vient le voir pour un problème auquel ils sont confrontés. C'était une centaine. Alors, ils arrivent, ils disent, on est venu voir Amir ibn Zirab al-Udwani pour un problème qui nous concerne. Alors, ils sortent, ils les accueillent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Voilà. Tuwfiya Sayyidu Qabilatina. Notre chef, il est mort. Wataraka waratha. Il a laissé des héritiers. Minhum khuntha. Parmi eux, un hermaphrodite. Un humain qui a les deux organes génitaux. Il a un pénis et un vagin. On ne sait pas, parce que vous savez, les Arabes avant, ils ne donnaient pas l'héritage aux femmes, l'héritage qu'aux hommes. Donc on ne sait pas, est-ce qu'on doit lui donner l'héritage ou non. Qu'est-ce que tu as dit ? Ça. Sakata al-Rajou. Walam yadri ma yujibuhum bih. Il s'est tu et il n'a pas su quoi leur répondre. Et là, vous savez, là, quand même, il a un shuhra, il a une notoriété à défendre. C'est lui le hakam chez les Arabes, c'est lui le juge, l'arbitre, auprès duquel on vient pour obtenir des réponses à nos problèmes. Il leur dit Antum duyufi hatta ajidanakum halla. Vous êtes mes invités jusqu'à ce que je vous trouve une solution. Il a ordonné à ce qu'on leur plante des tentes. Wa amara an tunhara lahum naqa kull yawm. Et il a ordonné à ce qu'on sacrifie pour eux tous les jours une chamelle. Parce qu'une chamelle peut suffire à 100 personnes, ils étaient 100. Les jours y passent, et ces chamelles y passent aussi, et ces chamelles trépassent. Et lui, il est dans sa tente comme ça en train de chercher une solution autre. Après 40 jours, كانت له أمة يقال لها سخيلة. Il avait une esclave qu'on appelait سخيلة qui s'occupait de ses bêtes, de ses troupeaux. كانت تخرج مبكرة وتعود إلى الخيمة متأخرة. Elle partait tôt le matin, rentrait tard le soir. Un jour, du moins une nuit, après sa journée, elle rentre chez Amir. Elle lui dit ما الذي دهاك؟ ما الذي أصاب عقلك؟ تكاد تهلك جميع أموالك لأناس لا علاقة لك بهم. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait de ta raison? Tu es en train de dilapider tous tes biens pour des gens que tu ne connais même pas.
c'est pas tes affaires, il a écrit à lui, c'est pas tes affaires, ne rentre pas dans tes affaires. Elle dit, akhbirni bil amr. Vas-y, dis-moi alors, au moins pourquoi tu dilapides toutes tes chamelles pour ces gens-là. Fa'afil awal, il estakhafa biha, il a pas voulu la dénigrer, il a pas voulu lui dire, fa'alahat alayhi hatta akhbaraha. Elle a insisté jusqu'à ce qu'il finisse par lui dire. Elle lui dit, subhanallah, atbi'il hukma al-mabal. Aïe, on dort maintenant le baoul. Elle lui dit, mais c'est facile. Regarde par où il urine. Tu sauras si c'est un homme ou une femme. Elle l'a regardé comme ça, bouhit. Oh. Il lui dit, wallah, il a qu'à te faire racheter à Nia Souhaï. Il dit, wallah, tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as soulagé. Il a couru, il a dit, c'est bon, regardez par où il urine. Elle a sauvé le bâton. Laissez mes chameaux tranquilles. Et c'est comme ça qu'il a réussi à sauver le reste de ses chameaux. Quand Ash-Sha'bi, d'autres ils disent Al-Nakha'i, ou même Ahad Salaf, il a entendu cette histoire-là, il dit Subhanallah, Rajulun, la yu'minu bi jannatin wa la bina, la yufti fi mas'alatin bi ghayri ilm, hatta kadat amwaluhu tahlak. Il dit Subhanallah, un homme qui ne croit ni au paradis ni à l'enfer, qui refuse de se prononcer dans une question sans science, quitte à dilapider tous ses biens. Aujourd'hui, les gens ils parlent de tout, sans science. Pas des choses simples, non, des choses gravissimes. Ils sont chez eux. On mange des cacahuètes avec un verre de thé. Kafir, mu'min, mutabi', mubtadi', dal, mudil, wa la yuhsin wa natawadda. Ils sont là, ils mangent des cacahuètes, ils font des ablutions. Et ils sont lui, kafir, lui, croyant, lui, sunni, lui, mubtadi', lui, kata, lui, kata. Et il ne sait même pas faire ses ablutions. Il ne sait même pas faire ses ablutions. Mais là, une femme m'a dit quoi? Elle m'a dit, attends, c'est mubtadi'. Chlorine. C'est toi, mubtadi', c'est toi. C'est quoi ça, mubtadi'? C'est quoi ça? Voilà, j'ai pas d'avoir. Moi, et là, eh bien, les gens qui viennent et qui osent donner des jugements sur des choses apparentes sans science, ils sont comme les wuzara du roi. Aujourd'hui, il vient dire haram, halal, sunna, bid'a, mu'min, kafir, mais j'ai pas de l'ilm. Oh, c'est marrant ça. Ben vas-y, assieds-toi et tu dis ah non, non, il y a des chougouettes, moi je préserve mon ilm, ma science. Comment tu préserves ta science, ton ilm, ta foi, pardon, avec du jahl? Extraordinaire ça. C'est comme si tu voulais, c'est comme si tu allumais un feu, tu voulais le garder allumé en l'arrosant avec de l'eau. C'est la même chose. D'ailleurs, les ulama ont dit aussi par rapport à ça que des fois, on va faire هذه الآية دليل على أن الجمهور ليس بالضروري أن يكون على الصواب. Et dans ce verset, ils ont, et je m'arrêterai là-dessus, ils ont déduit aussi du verset le fait que la majorité n'est pas obligatoirement sur l'avis le plus juste. Là, ben, tous ils sont d'accord pour dire non, c'est pas bon, ton raid ne veut rien dire. Youssouf tout seul, il vient, il a raison. Tout seul. Donc ceux qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit ceux qui se servent de la majorité pour dire on a raison, on leur répondra, ça n'a aucun poids d'un point de vue juridique dans l'argumentation. Aucun. L'ibra bi ad-dalil wa bil istidlal. Ce qui compte, c'est la preuve et comment on s'en sert. Pas le nombre de gens qui l'utilisent, qui vont avoir un avis sur la question. المهم قال أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Et donc encore une fois je finirai là-dessus. Allah Ta'ala s'est servi de ce rêve. Chauffe subhanallah. Allah, c'est extraordinaire. Youssouf al-Islam, au début de l'histoire, c'est quoi? Youssouf il raconte son rêve à son père. C'est un petit garçon. Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wa ash-shamsa wal qamara ra'aytuhum min sajdati. C'est magnifique. Il est trop beau, il est extraordinaire. J'ai vu 11 étoiles. Le soleil l'allume,
se prosterner devant mon roi, tu t'arrêtes, tu ne dors plus jamais de ta vie. Jamais je vais retourner, j'ai peur de faire un autre rêve. Non, je veux garder ça pour la poire. وكانت رؤية يوسف عليه السلام بلاء عليه. Et ce rêve, malgré sa beauté, c'était une épreuve pour Yusuf عليه السلام. Et le roi fait un rêve, en apparence, sur un extraordinaire, limite, on n'arrive pas à voir la relation entre les vaches, entre les épines. Et ça va être une bouchra et un sharaf pour Yusuf عليه السلام. Donc Yusuf, il fait un rêve lui-même, où en apparence, ce sont extraordinaires. Et ça va être une cause d'épreuve pour lui. Et le roi, il va faire un rêve, où en apparence, il y a rien d'extraordinaire. Et ça va être une bonne nouvelle et un honneur pour lui. Pour ça, ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas à ce que tu vois. Al-aynu tara wa tukhti. L'œil peut voir et se tromper. Combien de fois on répète les apparences, elles sont souvent trompeuses. كم من بصير قلبه أعمى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Si ton cœur est aveugle, wallah, et tu peux avoir une vue perçante comme celle de l'aigle, tu verras rien. ولهم أعين لا يبصرون بها. Ils ont des yeux et ne voient pas avec. Des oreilles n'entendent pas avec. وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont dit nous avons entendu alors qu'en vrai ils n'entendent rien. Ils n'entendent rien. Donc, اتهم عقلك. Accuse ta raison, tes yeux. N'accuse pas le texte, la révélation. Sois soumis à la parole d'Allah et à la révélation qu'il a faite à son messager, alayhi salam. Ne dis pas, non, mon aql, là, yakbalu hada fa ana arudduhu. Ne dis pas, non, mon aql, il n'accepte pas, j'en veux pas. Ya akhi, subhanallah, Allah azza wa jal. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. C'est ça le système. C'est ça la soumission totale. C'est pas seulement les ibadat, les adorations visibles, physiques. C'est dans le calme, dans le cœur. Comment ta relation est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nasal Allah azza wa jal an yuthabbita hujjatana wa an yaqbala tawbatana wa an yamhuwa hawbatana wa an yasluwa wa an yamhuwa hawbatana wa an yutahhira qulubana wa an yaj'alana muslimina mu'minina mustaslimina li amrihi wa qada'ihi wa qadarihi راضين بأمره عز وجل في كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.